Premio Energia France is Emma Reinhardt, who has studied in Strasbourg, Russian, Hungarian, and also English. And she has then studied in Paris at the Sorbonne, intermediation and translation. And for 1 year you have studied narration and writing with me. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu as commencé à écrire à la Sorbonne? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que c'est la situation dans une salle quand on fait ça, l'écriture? Normalement, on est tous assis ensemble et la salle est complètement silencieuse et on reçoit quelques instructions du professeur qui nous laisse 20 minutes pour écrire un petit fragment d'histoire. Et ensuite, on doit lire devant toute la classe. Au début, c'est très impressionnant. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension de lire ce que j'avais fait. Et j'avais très, très peur. Mais en fait, il y a quelque chose de magique qui se produit avec une énergie quand on est tous dans cette salle. Et on se rend compte qu'on arrive finalement à produire quelque chose. Moi, je parle premièrement 45 minutes sur les écrivains que j'aime bien et que je pense que pour les étudiants sont importants. Pour savoir écrire, j'ai parlé beaucoup de Julio Cortázar, Fernando Pessoa, Virginia Woolf, encore Jean Rice. Pour toi, qu'est-ce que tu as, après un an, quelque chose d'important que tu as pensé pendant ces travaux? Je crois que la chose que je retiens, c'est le travail avec sur les détails, la manière dont on peut décrire une situation très commune et très banale. En choisissant les bons mots et en adoptant une manière assez originale et en essayant de transformer des actions du quotidien en quelque chose de spécial et de faire naître une émotion de quelque chose d'aussi banal que boire une tasse de café à une terrasse, par exemple. Nous avons fait beaucoup d'exercices sur les situations entre les gens, sur location à Paris, mais toujours à essayer de préciser avec des détails. Mais encore, quand toi tu as écrit, il y a eu des moments où il y a eu des difficultés. Et ton histoire propre, avec tu as gagné que ce prix, le paradoxe pour moi, c'était une histoire où tu parles aussi sur la difficulté d'écrire, n'est-ce pas? Oui, parce que pour moi, en fait, dans l'histoire que j'ai faite, qui est très très courte, j'ai fait une sorte de métaphore entre le flanc et l'écriture, qui sont deux choses que j'aurais jamais pu penser finir et qui ont été très difficiles pour moi. Et au début, l'écriture, c'était pas facile, mais finalement, je suis là aujourd'hui et ça prouve qu'on peut, en travaillant, on peut arriver à quelque chose de positif. Et qu'est-ce que tu penses sur vie et écriture? Quand tu as écrit dans cette écriture, dans la Sorbonne, est-ce qu'il y a quelque chose où tu peux te faire une sorte de libération de toi-même ou quoi? Comment est-ce que ça se forme pour toi? Je crois que quand on écrit, on a le droit de mentir un peu sur soi-même et de s'inventer une vie et des choses dont on ne serait peut-être pas capable dans la vraie vie. Et ça nous donne une sorte de liberté qu'on n'a pas si on n'est pas plongé dans l'écriture. Et je crois que je commence à apprécier cette liberté de pouvoir parfois un peu mentir sans que personne ne sache vraiment à quel moment. Et un jour, tu veux écrire un roman et revenir à Matera avec ton roman propre? Ouais, je pense. Oui, je pense. Alors bon, salutations. Merci. Merci.